Bonjour à tous, je vous propose de commencer cette keynote sur l'autopartage. Je me présente, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui je vais vous raconter ma semaine. Avant de commencer, je vous présente aussi Charles qui va nous accompagner du bout de son stylet pour illustrer mes propos durant cette keynote. Alors comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler de ma semaine. C'est une semaine qui aurait pu s'intituler 7 jours dans la vie d'une famille bien active ou tout simplement les aléas de la mobilité. Mais rassurez-vous, c'est une histoire qui finit bien. Alors je vous raconte. Lundi dernier, j'étais en déplacement dans une grande ville de province pour rencontrer un client. Je devais traverser toute la ville et je commence à regarder les différentes alternatives qui s'offrent à moi. Le transport en commun, c'est une bonne idée, mais on était en heure de pointe et en plus, il ne dessert pas ma destination. Le vélo. Alors j'ai bien une application de vélo. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle puisse être valable dans cette ville, mais à regarder, mais grosso modo, ce jour-là, il pleuvait. Alors la trottinette, on oublie aussi, puis je vous laisse imaginer en costume sous la pluie, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée pour faire bonne impression à mon client. Reste la voiture. Mais est-ce qu'il est vraiment possible de réserver une voiture en dernière minute comme ça? Mercredi, mon frère m'appelle. Il me dit, écoute Guillaume, j'ai besoin d'aller acheter un canapé, un meuble, une commode et de transporter tout ça le jour même chez moi. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que mon frère roule en Clio. Et je vous fais pas le tableau, mais transporter tout ça dans un si petit véhicule, ça me semble un peu compliqué. Et puis samedi, c'est au tour de ma sœur. Ma sœur m'appelle, me dit, j'ai planifié des petites vacances avec ma fille, on part en Normandie, on est hyper contents. Sauf que ma fille a décidé d'inviter ses trois meilleures copines en dernière minute et faire tenir les valises puis tout ce beau monde dans la petite voiture familiale, encore une fois, me semble un petit peu compliqué. Alors, vous n'avez peut-être pas une famille avec autant de complexité en termes de mobilité, mais je suis sûr que vous vous êtes tous déjà retrouvés au moins une fois dans l'une de ces situations. Alors, comment faire pour trouver une solution qui répond à des besoins parfois d'un véhicule utilitaire, parfois d'un véhicule particulier, parfois pour quelques heures, parfois pour quelques jours ou parfois pour quelques semaines? Alors vous me direz qu'il existe déjà plein de solutions disponibles, mais est-ce qu'elles répondent vraiment à nos besoins? Qui plus est, ces solutions, on les trouve beaucoup dans des centres-villes très denses, Paris par exemple, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, finalement on trouve plus grand-chose. Et alors en zone rurale, là ça devient complètement inexistant. Et en fait, si on regarde comment sont nos territoires, on se rend compte que finalement il y a presque autant de particularités qu'il y a de territoires en France, et finalement pas de solution unique qui réponde à ce besoin global. Et c'est là qu'on intervient avec Mobileye Share. Et oui, on aime bien les défis aussi chez Mobileye Share. Et dans le groupe, du coup, on bénéficie d'un atout formidable qui est le réseau de concessionnaires. C'est un réseau de plus de 6000 concessionnaires au travers de l'Europe. Savez-vous par exemple que chaque Français est situé en moyenne à 18 minutes d'un concessionnaire Renault? Plutôt impressionnant, non? Et donc, ces concessionnaires-là sont très bien implantés au niveau local, ils connaissent parfaitement leur environnement pour adapter les solutions de mobilité à nos besoins. Et donc, tout naturellement, on va s'appuyer sur eux, ils vont être le point d'entrée de nos utilisateurs, ils vont adapter les flottes, les typologies de véhicules en fonction des besoins locaux, ils vont opérer ces flottes en utilisant les technologies qui sont fournies par Mobileye. Et ça va permettre de fournir des solutions de mobilité aussi bien en concession, mais aussi dans les centres-villes ou chez des grandes enseignes. Alors je reprends le fil de mon histoire, vous allez comprendre. Du coup, lundi, j'étais à l'heure à mon rendez-vous. J'ai pris un véhicule Mobileye Share au travers de l'application. Il était en libre service devant mon hôtel. Et sachez que vous pourrez retrouver ce service-là dans plus de 25 villes en France, en Italie et une petite nouvelle qui vient d'arriver en Espagne. Mercredi, mon frère, vous vous souvenez de mon frère qui avait transporté ses meubles? Il a pu acheter ses meubles, les transporter le jour même. Il faisait ses courses chez Ikea. Il a bénéficié d'un véhicule utilitaire en 15 minutes. Coût global de l'opération, 30 euros. 2 heures de location, le carburant était même inclus. Mais il aurait pu aussi trouver cette offre-là chez Leroy Merlin. Il faut savoir que Mobileye Share est partenaire de ces deux enseignes. Et samedi, ma sœur a pu louer un véhicule chez son concessionnaire Renault pour partir 2 semaines en vacances avec ses filles et ses copines. Elle a choisi d'utiliser Mégane E-Tech,
parce que pour elle, c'était une bonne opportunité d'aller découvrir la mobilité électrique. Mais elle aurait pu finalement louer n'importe quel autre véhicule du groupe. Alors vous me direz, ces solutions de mobilité, c'est pas si innovant que ça, rien de neuf sous le soleil finalement. Eh bien, détrompez-vous. En quoi Mobileye Share fait la différence? 1. La simplicité. C'est une seule offre, que ce soit pour un véhicule de remplacement, un véhicule de location, un véhicule en autopartage, en ville ou chez nos partenaires. 2. La flexibilité. C'est la technologie qui vient s'adapter à nos besoins. Certains de nos véhicules sont disponibles en libre service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un parcours client digital au travers de nos smartphones, hein, ces petits objets qu'on aime tant. Et d'autres sont disponibles directement chez nos concessionnaires. Que ce soit pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Alors je vous explique. Pour bénéficier d'un véhicule de remplacement ou un véhicule de location, faites confiance à nos concessionnaires Renault. La plupart proposent le service Mobileye Share. Pour un véhicule en libre service, vous avez besoin de deux choses. 1. Un smartphone. 2. L'application Mobileye Share. Et à partir de là, vous vous laissez guider. Tout est compris. L'assurance, l'énergie du véhicule. Et petite particularité intéressante sur cette offre-là, ce sont ce qu'on appelle de l'autopartage en boucle fermée. C'est-à-dire que vous prenez un véhicule sur une place de stationnement A et vous le restituez sur cette même place de stationnement, ce qui vous garantit de trouver une place de stationnement disponible pour vous à votre retour. Et ça, c'est un gain de temps considérable quand on voit le temps qu'on passe à chercher une place de stationnement. Et au-delà de ça, l'ensemble des véhicules sont réservables à l'avance pour vous permettre de vous assurer d'avoir une solution de mobilité disponible là où vous l'avez demandé et à l'heure à laquelle vous l'avez demandé. Voilà, alors j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre ou qu'au moins j'aurai un peu aiguisé votre curiosité sur le sujet. Vous retrouverez toutes nos informations sur share.mobileye.fr et bien sûr, on sera très, très content de répondre à toutes vos questions si vous en avez dorénavant. Je vous remercie.